D'abord. Okay, so welcome to the French American Television Program. The camera person asked me to announce the party. So you're invited to 42 Years of Joy, Bounce, that's her name, birthday party at Lily's, located 4 Valencia Street at Market Street. So that's 4 Valencia Street at Market Street, October 16, that's a Wednesday, from 8 to 2 p.m. Oh, 2 a.m. I guess, 2 a.m. at night. So bring a dish and a wish, eat to the beat of big band, all these, rhythm and blues, Reggie, and rap, and bring whatever music you want, and there'll be joy in, up, come, I don't know, right? Anyway, this is a party, birthday party, 42 years of joy, and it's located 4 Valencia Street at Market Street, October 16, 2 to 4 p.m. I hope this is correct. Okay, so now we're going to go on with the French program. On a invité donc Bertrand, un associé ici de French American Foundation et Television. Et étant donné qu'une des invitées n'a pas pu rester pour nous parler des mariages mixtes, on a décidé de parler de son itinéraire ici aux États-Unis. Alors merci d'avoir accepté de remplacer Nathalie. Et nous allons donc parler, je pense que ça va être intéressant de toute façon, tu as fait un très grand itinéraire, c'est ça? Bah, disons que ce qui s'est passé, oui, c'est que j'étais donc à San Francisco depuis le 15 mai oui. pour mes études commerciales. Oui. Et vu que je reste ici jusqu'à peu près le 10-15 octobre. Tu as passé un mois à voyager? J'ai passé un mois à voyager avec mes parents qui en ont profité pour venir me voir ici. Donc, en gros, ça t'a plu, ce que tu as vu? Oui, c'est moins indescriptible. Disons que par rapport à la France, c'est pas du tout pareil. On voit des grands paysages. C'est immense quoi, ici. C'est beaucoup plus grand, oui. On se rend compte qu'en Amérique, c'est immense. On comprend d'ailleurs pourquoi les Américains prennent l'avion comme nous, on prendrait le train ou la voiture en France. Oui. Puisqu'il y a la notion des distances n'est pas du tout la même ici. Oui. Et bon, j'avais fait. On peut mettre 4 fois la France en Californie, oui. Oui, facilement. Et donc, on va parler un petit peu de ton itinéraire. Alors, comment tu as commencé? Disons que ça, on a commencé, donc on avait un rassemblement à San Francisco où il y a Nathan. Et bon, là, pendant un jour, on a donc fait la visite de San Francisco avec toutes les places importantes à voir, c'est-à-dire Twin Peaks, le Golden Gate Park, le Golden Gate Bridge, oui. le Bay Bridge, oui. La Cowie Tower. Oui, enfin, les points d'intérêt, ok. Les points d'intérêt. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en car climatisé donc pendant une douzaine de jours. Et on a traversé quelques états, donc la Californie, le Nevada, l'Utah, le Wyoming. Et on est repassé en Californie, mais par le sud, donc par Los Angeles, pour revenir à San Francisco. Donc. Ah d'accord. Ouais. Donc, est-ce qu'on va faire? On va faire semblant que tu me racontes ton voyage. Mmh. Et on va passer par l'itinéraire. Hein. Alors, tu as commencé par la Californie. Donc, le premier jour, voilà, on est parti de San Francisco. Nous sommes allés à Sacramento, qui est le centre administratif de la Californie, pour visiter le Capitole, là-bas. D'accord. Donc bon, c'est déjà complètement différent de San Francisco. Puisqu'on vous n'avez pas pu voir le gouverneur, par contre. Non, ça, on n'a pas pu. D'accord. On n'a plus cet honneur. Donc vous êtes rentré là-dedans. Vous avez voilà, on a visité un peu ce qu'on voulait nous-mêmes. Mm-hmm. De là, donc, on est reparti l'après-midi pour le Bonanza Ranch, qui est sur le Lake Tahoe, donc à la frontière de la Californie et du Nevada, pour visiter donc le ranch où a été tournée la série du même nom. Après, on a quitté donc cet endroit pour visiter Virginia City, qui est une ville cow-boy de la ruée vers l'or, mais qui a gardé justement l'atmosphère de la ruée vers l'or. Quoi. Toutes les baraques sont encore en bois avec les anciennes inscriptions. Mm-hmm. Et le soir, on est arrivé à Reno, donc au Nevada. Reno, tu veux dire pour le gambling, ok. Voilà, c'est ça. Et donc là, bon, on a passé la nuit pour la plupart à jouer et quand même un peu à dormir. Vous avez gagné? Non. Moi, un tout petit peu, mais bon, ça a été vite dilapidé par la suite. C'était juste pour voir commencer. Voilà, bon, bah, c'était comme la première fois que j'entrais dans un casino américain. Oui, c'est un peu comme Monaco, non? C'est très impressionnant, quoi. Entre le bruit des machines, on entend les sous qui tombent de partout. Et c'était donc prévu par l'itinéraire de cette compagnie qui avait c'est ça. Donc, on passait des nuits en plus dans des très, très beaux hôtels. Bon, à Reno, on était au Hilton Flamingo.
Donc c'était super. Bon, c'est vrai qu'en plus, c'est une ville qui vit tout le temps. Il y a vraiment pas de temps mort, quoi. Les restaurants sont ouverts 24 heures sur 24, les hôtels aussi, les casinos, bien sûr. Oui. Et il y a tout le temps du monde dans les rues. Bon, en plus, on en a profité. C'est surtout des touristes en plus, enfin, c'est surtout des gens qui viennent perdre leur argent et repartir. C'est ça, ou divorcer, puisqu'on a appris aussi que c'était la capitale du divorce. Et du mariage. Donc, voilà. Se marier là tout de suite en 10 minutes, on fait la queue. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, et après ? Donc après, on est reparti de Reno pour aller à Idaho Falls, dans l'Idaho. Et là, on a juste mangé en faisant une halte. Et le soir, nous sommes arrivés à Twin Falls. Donc, vous avez vu les falls et... Voilà, bon, on a mangé sur les falls. C'est beau aussi. Bon, ça s'appelle des chutes en français, c'est ça? C'est ça, oui. C'est beau, enfin, c'est comme le Yosemite, ou un peu plus petit? Ah non, c'est... Disons que les chutes là-bas ne sont pas très hautes, mais elles sont très larges. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a quelque chose comme 400 mètres de large. Okay. Mais bon, les chutes en elles-mêmes font 10-15 mètres. C'est pas très impressionnant, mais en largeur, c'est beau à voir quand même. Et donc, tu es parti dans une période où il n'y avait pas de neige, c'était l'été, non, quoi. Non, c'était la... C'était comment dire... C'était vraiment le... Bon, l'été... C'est beau, ok. Il faisait très chaud, par contre, mais à part ça, non, il n'y avait pas de neige. Ok. Et voilà. De tous ces états que tu as fait, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Moi, ce qui m'a plu le plus, c'était Las Vegas. Bon, on a passé une nuit donc à Las Vegas avec un show, la visite des casinos en faisant une visite historique. Ah, d'accord. On a commencé à voir les casinos qui ont été construits dans les années 30, dans les années 40, pour arriver au dernier casino comme le Mirage ou le Caesars Palace. Oui. Bon, qui sont vraiment de superbes casinos. Vous avez assisté à un show quand même? Voilà, alors on a assisté à un show au Hilton, toujours. Mm-hmm. Et bon, là, on a. Bon, moi, personnellement, j'ai pas dormi la nuit-là. Quel est l'acteur ou le performer? Il n'y avait pas de performer connu, c'était tous des numéros. Il y avait de la magie, un magicien, un dresseur d'animaux, et une revue. C'était plutôt une revue musicale qu'autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Et tu as fait le Grand Canyon, non? J'ai fait le Grand Canyon. Bon, surtout, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a eu la chance de le faire en hélicoptère, donc avec les passagers du Combien bus. On était assises par hélicoptère, mais bon, même la personne qui était placée au milieu avait une vue superbe de l'intérieur du canyon. Oui. Et vous avez pu faire des belles photos, c'est ça? Moi, j'ai fait beaucoup de photos d'ailleurs pendant le séjour. Mm-hmm. Et c'était tellement beau que moi, en sortant de l'hélicoptère, je ne pouvais plus dire quelque chose, quoi. C'était cloué par la beauté. De la nature. Voilà, oui. D'accord, ouais, ouais. Bah, tout le monde passe par le Grand Canyon et c'est immense, voilà. Quoi, c'est ça. Bon, et puis c'est vrai déjà que le Grand Canyon, comme ça, est un endroit très beau. Et en plus, ce qu'on avait fait, c'était qu'on s'était levé à 5h du matin pour aller voir le lever du soleil. Ah, c'est super. Qu'on a raté pour cause de brouillard, par contre. Mais on a vu des biches, des fonds et tout le matin. Bon, c'est très agréable, c'est très beau à voir. Mm-hmm. Et le dernier stop, c'était donc Le dernier stop, bon, on s'est arrêté à Los Angeles, donc à la fin. Ah d'accord, vous avez fait encore des trucs là? Ah oui, on en a fait plein en fait. Ça, c'était surtout la fin du circuit. Ah d'accord. On est passé aussi à... On a fait le Grand Canyon, on a fait Jackson Hole, qui est une station touristique très connue aux USA. Qu'est-ce que c'est comme station? C'est une station qui paraît-il, bon, c'est vraiment dans les plaines et il y a beaucoup de cow-boys là-bas. Bon, la station elle-même a gardé un esprit très cow-boy. Donc vous avez vu peut-être les chevaux et tout ça? Voilà, c'est ça, on a vu tout ça. Bon, on a été dans un bar qui est très connu là-bas, qui s'appelle le Million Dollar Bar. Et ce qui est très marrant, c'est que les sièges, le long du comptoir, en fait, ce sont des selles de cheval. Ah, donc on va boire sa consommation et on est sur une selle de cheval. Bon, c'est très gentil. En plus, il y avait un orchestre de country qui jouait, donc c'était vraiment très sympa. C'était vraiment cowboy, le western, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on a fait aussi Zion National Park et Bryce Canyon National Park. Et c'est pareil, bon, ce sont des parcs nationaux qui sont très beaux déjà par là. Bon, Bryce Canyon, c'est un parc à dominance ocre de couleur. Et nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'était tous les petits écureuils qui venaient. Bon, en fait, ils sont plus du tout sauvages, bien qu'on nous dise qu'il ne faut pas les nourrir et tout, mais ils viennent... Il y avait une personne qui a vu un écureuil dans son yaourt, comme ça, en train de manger, quoi, à finir. Mmh. Et nous, on les avait dans les mains, on pouvait jouer avec eux, comme on joue chez nous avec un chat ou un chien, quoi, mais c'était vraiment très beau. Ils étaient partout, quoi. Ah oui, partout, partout, partout. En haut du canyon, en bas, bon, parce que là, en plus, on a pu descendre dans le canyon. Et c'est pareil, on a une vue très impressionnante, puisqu'on descend, je crois, en dénivelé de 200 ou 300 mètres. Dans le canyon? Dans le canyon, oui. Waouh. C'est beau, quoi. Honnêtement, c'est très beau.
Et vous avez fait tout ça en 11 jours? En 12 jours. 12 jours, oui. Et encore, qu'est-ce que vous avez fait? Salt Lake? Donc, on a fait Yellowstone, quand même, le parc national de Yellowstone. Oui. On y est resté 2 jours et là, on a fait vraiment un tour maximum de ce qu'on pouvait faire là-bas. Donc, on a vu des bisons. Mm-hmm. C'est encore très impressionnant maintenant qu'on a beau en voir à la télé ou ici au Golden Gate Park. Mais c'est vraiment très impressionnant. Bon, moi, j'ai pu prendre des photos. J'étais à 1m50 de 2 bisons. Ils pouvaient se mettre à charger. Bon, c'est vrai que j'étais sans défense, mais sur le coup, on se dit, bon, on n'y pense pas, on va prendre sa photo et puis on est content. Et après, comment tu veux remonter là-dedans dans... On remonte dans le bus, on attend que les bisons traversent la route et puis simplement après, on repart. On a vu des geysers aussi là-bas à Old Face Fall. Tu veux dire les sources d'eau chaude, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on dit le... Oui, le geyser. Le geyser, oui. Voilà, oui. C'est ça. Oui, il y en a un ici, de toute façon, à Napa, je crois. Oui, c'est ça. C'est à Calistoga, exactement. Calistoga. Voilà, mais là, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Vous êtes baigné peut-être dans un truc... Non, on n'a plus eu le temps. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que bon, l'eau est bien chaude quand l'eau même. L'eau, il y a plusieurs centres où on peut se baigner là-dedans. Oui, c'est sûr. Ok, et vous avez fait donc Salt Lake, vous avez vu le sel. Salt Lake City, oui, on a visité les églises là-bas puisque c'est le centre mormon quand oui, même. Oui, oui. Et bon, c'est surtout, assez grand. C'est grand, surtout, c'est beau, c'est propre. Et le meilleur souvenir que je garde de Salt Lake City, c'est peut-être bizarre, c'est l'hôtel dans lequel on a couché avec mes parents. On est arrivé, on avait une suite sur 2 étages pour nous, quoi. Et vous en avez tout ça pour vous? Ouais, pour nous. Moi, ce qui était absolument phénoménal, c'est que bon, moi, j'étais donc au-dessus. J'avais mon lit, ma télé, ma salle de bain, peut-être mon téléphone. Peut-être pour encourager à revenir, peut-être. Ou bien c'était une erreur. Oui, certainement aussi, mais bon, c'était compris dans le circuit et c'est vrai qu'on n'a rien regretté. Non, par contre, ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que on devait se débrouiller nous-mêmes pour tout ce qui était alimentation, pour manger, quoi, tout ça. Manger dans les petits restaurants de coin. Donc surtout, ce qu'on a fait avec mes parents, c'est qu'on voulait manger américain. On aurait pu manger au McDonald's et compagnie, mais vous bon, avez tout ça, on connaît en France. Des choses différentes, oui. Voilà. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé dans tous les petits restos. Et c'est vrai qu'on se rencontre. Qu'est-ce que vous avez essayé comme bouffe? Enfin, c'est la nourriture continentale, finalement. C'est de la... C'est plus ou moins continental, oui, c'est sûr. Mais on a essayé vraiment la façon américaine. D'accord. Et bon, c'est vrai qu'on voit que dans les restaurants, ça ne se passe pas du tout de la même façon, quoi. Il faut attendre ici pour être placé à l'entrée d'un restaurant, alors qu'en France, on arrive, on se place et puis après, on commande. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit les gens ici, bon, on nous apporte toujours un verre d'eau et ils ne le laissent jamais vide. Et par contre, si on boit quelque chose d'autre, ne serait-ce qu'une bière et tout, dès qu'on a fini la bière, ils reprennent la bouteille tout de suite. Ah, mais la table est toujours impeccable. Et c'est bon, c'est Qu'est-ce que vous avez essayé? Vous avez essayé les Italiens, les Chinois, etc. Enfin, vous avez essayé toutes les... Pas trop de Chinois, mais bon, les Italiens, c'était quand on était un peu fatigué, qu'on voulait manger une bonne pizza. Mm-hmm. Autrement, on essaie vraiment les petits restos du coin. Ah, d'accord. On en garde un bon souvenir, honnêtement. D'accord, donc vous avez essayé quoi? Les hamburgers, les hot dogs et tout ça? Non, les hamburgers, c'était au début à San Francisco. D'accord. Mais ici, bon, on a essayé la nourriture traditionnelle, quoi. Bon, ben, je suis bien contente que tu aies quand même aimé les États-Unis. Et on te remercie d'être venu. On m'a dit qu'on est à la fin ici, malheureusement. Ouais. Je crois que parler un peu de tout, c'est ça? Oui, là, c'est bon. Oui, d'accord. Ouais. Bon, alors, c'était Bertrand, qui est donc ici en touriste et en étudiant et qui travaille avec nous à la Fondation. Donc, merci d'être passé. De rien. C'était donc Bertrand Joliot. Ok, nous allons maintenant faire l'interview, enfin nous allons interviewer.